Démarré le 9 août dernier, le camp d'initiation au Beach Ruin, aviron de mer, a pris fin ce 15 août à Grand Popo, en présence des représentants du ministère des Sports et des autorités de la Fédération béninoise d'aviron. Pendant 6 jours, les rameurs béninois ont été initiés à cette composante de l'aviron. David Badamassi, président de cette fédération, revient ici sur les objectifs de ce camp d'initiation. Depuis la création de la fédération, de l'association de Grand Popo, ils n'ont jamais connu une initiation à proprement parlant. Raison pour laquelle nous avons programmé l'initiation cumulée avec les bateaux d'aviron de mer et les bateaux classiques que nous organisons à tout moment aux championnats nationaux. Présent aux côtés des athlètes durant cette période, l'entraîneur national apprécie. On a initié deux modèles. On a initié un aviron classique et aviron de mer. Donc, c'est des enfants qui s'apprennent vite. Et tous, ils ont la main. On a laissé un bon produit maintenant à Grand Popo. Donc, on va les attendre maintenant aux championnats nationaux. Et puis, aussi maintenant, les championnats régionaux aussi, on les attend. Donc, c'est des gens qui ont la main pour faire progresser notre fédération. Le représentant du ministère des Sports n'a pas manqué d'apprécier à son tour cette initiative de la fédération. Nous avons vu des enfants qui ont envie d'apprendre et qui ont envie de défendre d'abord les couleurs locales et défendre plus tard le Bénin. Donc nous avons constaté cet engouement auprès des enfants et aussi les formateurs qui ont donné les techniques pour faire l'aviron de mer. Nous-mêmes, nous avons profité pour apprendre encore un peu plus sur la discipline. Pour finir, le président est confiant du travail et espère les fruits pour les années à venir. Sur les 10 athlètes que nous avons eus, il y a certains parmi eux qui ont pris le pli. Et que si Grand Popo travaille correctement, ils auront combien des athlètes qui vont être de haut niveau d'ici quelques années. Parce que nous avons vu, que ce soit en aviron, en beach rowing et en aviron classique, nous avons vu qu'il y a de la matière. Il y a de la matière maintenant. Il faut une suivi régulière pour que ces athlètes-là donnent le meilleur combat d'eux-mêmes. Le beach rowing, c'est-à-dire l'aviron de mer, va entrer dans les habitudes et Grand Popo en est le point de départ.